Bonsoir, Pascal. Pascal, vous venez de quel endroit? De Laval. De Laval. Oui. Qui est venu avec vous? Je présente mon conjoint Jean-Pierre. Salut. Ma sœur Josée. Bonsoir. Ma sœur Chantal. Bonsoir. Puis mon beau-frère Alain, bonsoir. Le mari à Chantal. Le mari à Chantal. Allez-vous ravir le championnat? Oh, oui, 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 oui. Je vous le souhaite. On débute tout de suite avec un premier face-à-face. Pascal, France, bonne chance. Et juste avant de vous poser la question, la première question pour le premier face-à-face, je tiens à vous rappeler, tout le monde, que chaque question que je pose à l'émission a d'abord fait l'objet d'un sondage auprès de 300 personnes. Sondage réalisé par le groupe Léger et Léger. C'est un sondage téléphonique. Hommes et femmes sont consultés et c'est fait à la grandeur du Québec. Donc, j'ai besoin que vous me donniez la réponse la plus populaire. D'ailleurs, le résultat qui apparaît au tableau est un résultat en pourcentage de réponses et ça devient un pointage. Vous avez besoin de 300 points pour accéder au jeu du gros lot. On est prêt? Oui. J'arrête de parler, là. Je veux parler vraiment pour une chose importante. Jeu à pointage simple. 6 réponses au tableau. On a demandé à 300 personnes. Nommez un sujet pour lequel nous disons aux enfants, tu le feras lorsque tu seras plus grand. Pascal. Le sexe. Même gêné un petit peu de répondre, mais quand même, vous l'avez dit, Pascal, le sexe, est-ce que c'est au sondage? Je vous rappelle la question, France. Nommez un sujet pour lequel nous disons aux enfants, tu le feras lorsque tu seras plus grand. Fumer. Fumer? Est-ce que nous avons fumé? On débute avec la famille Parenteau. Michel, j'ai pas besoin de vous demander si vous êtes père de famille. Je le sais, vous me l'avez déjà dit. Nommez un sujet pour lequel nous disons aux enfants, tu le feras lorsque tu seras plus grand. Consommer de l'alcool? Ben oui! Ouais! Consommer de l'alcool, ça sera plus tard, quand tu seras plus grand. Est-ce que nous avons ça comme réponse au sondage? Ouais! Bravo, Michel. Guylaine, je vous rappelle la question. Nommez un sujet pour lequel nous disons aux enfants, tu le feras lorsque tu seras plus grand. Conduire la voiture. Ouais! Est-ce que conduire la voiture est au sondage? Ouais! Une erreur. Jean-François, on a demandé à 300 personnes. Nommez un sujet pour lequel nous disons aux enfants, tu le feras lorsque tu seras plus grand. Sortir tard le soir. Sortir oui! tard le soir. Vous vous en souvenez de ça, Michel? Oui, je m'en souviens très bien. Est-ce que nous avons la réponse de Jean-François au tableau? Oui! Et c'était la réponse la plus populaire. Jacinthe. Nommez un sujet pour lequel nous disons aux enfants, tu le feras lorsque tu seras plus grand. Oui, oui. Sortir avec des filles ou des gars, là, ouais. Du long. Ouais, 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 ouais. Sortir avec des filles ou des gars. Ouais, 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 ouais. Est-ce que nous avons cette réponse, s'il vous plaît? Deux erreurs. 3 réponses à trouver, France. Nommez un sujet pour lequel nous disons aux enfants, tu le feras lorsque tu seras plus grand. Jouer avec des ustensiles tranchants. Oui! Ouais. Ah, regarde, papa. Ouais. Quand tu auras l'âge de papa, tu joueras avec des couteaux. Tu joueras avec des couteaux comme tu veux. Jouer avec des ustensiles tranchants. Les Lapointe, c'est votre chance. Je pose la question à toute la famille. Nommez un sujet pour lequel nous disons aux enfants, tu le feras lorsque tu seras plus grand. Alain. Regardez la télévision tard. Regardez la télévision, Chantal. Allez danser. Allez danser, Josée. De marier. De marier, Jean-Pierre. De marier. Dites-le à Pascal. Dites-le à Pascal. Pascal, est-ce que vous y allez avec la famille? Oui. Alors vous dites? Te marier. Te marier. Oui, c'est bon. Pour 61 points, est-ce que te marier est au sondage? Oui! Peut-on avoir la réponse numéro 3, s'il vous plaît? Se coucher tard. La réponse en 4. Sortir seul. Et en 6. C'est une émission! Entre autres, la guerre des clans. Vous regardez la guerre des clans? Ben oui, tout de suite après la pause, je vais vous revoir. Pour le moment, la famille Parenteau a 61 points. Mais laissez-moi vous dire que la famille Lapointe est là. Et d'ailleurs, on y va tout de suite avec un deuxième face-à-face, s'il vous plaît.
Michel, Jean-Pierre, bonne chance. Un jeu à pointage simple. 7 réponses au tableau. On a demandé à 300 personnes. Quel est, selon vous, le mets préféré des Québécois? Michel. Spaghetti. Spaghetti. Peut-on voir le spaghetti, s'il vous plaît? Jean-Pierre, je vous répète la question parce qu'on a une réponse qui peut être encore plus populaire. Quel est, selon vous, le mets préféré des Québécois? Le steak. Le steak. Est-ce que nous avons le steak? On débute avec la famille Parenteau. Guylaine, d'après vous? La pizza. La pizza. Est-ce que nous avons la pizza au sondage? Jean-François. La poutine. La poutine, s'il vous plaît. Jean-François, il est très bon. Il va chercher les réponses les plus populaires. Jacinthe, quel est selon vous le mets préféré des Québécois? Du barbecue. Oui! Est-ce que nous avons du barbecue? France, une seule erreur, 3 réponses à trouver. Des hamburgers? Oui! Est-ce qu'on peut voir des hamburgers? Michel, 2 seules réponses à trouver, une seule erreur. Quel est, selon vous, le mets préféré des Québécois? Pâté chinois. Le pâté chinois, s'il vous plaît. C'est toute une famille championne que nous avons là. Quel est, selon vous, le mets préféré des Québécois? Une seule réponse à trouver. La lasagne? Oui, 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 oui. Il n'y avait pas beaucoup de conviction. La lasagne, c'est bon. Est-ce que nous avons de la lasagne? Jean-François, ça repose sur vous. Les hot dogs. Les hot dogs. Pour Jean-François et pour 82 points, les hot dogs. Famille Lapointe, j'espère que vous y avez pensé. Quel est, selon vous, le mets préféré des Québécois? Alain. Du blé d'Inde. Chantal. Le poulet. Du poulet, José. La tourtière. La tourtière, Jean-Pierre. Tarte au sucre. Dites-le à Pascal. Dites-le à elle. Aidez-la, elle. Le poulet, le poulet, le poulet. Pascal, pour 82 points, vous y allez avec la famille? Oui. Alors, vous dites? Avec la tourtière. Est-ce qu'on peut avoir pour Pascal et la famille Lapointe la tourtière? Formidable! Très bien! C'était notre deuxième jeu. On s'en va à la pause et on vous retrouve tout de suite après. Revenez-nous. Je vous l'ai dit, hein? La famille Lapointe a fait un retour avec 92 points. Suivi de très près par la famille Parenteau 61. Guylaine, José, on y va avec un troisième face-à-face, s'il vous plaît. Guylaine, José, bonne chance. Jeu à pointage simple. 6 réponses disponibles au tableau. On a demandé à 300 personnes. Nommez une chose que nous donne le soleil. José? La chaleur. La chaleur, c'est bon, ça? Est-ce que nous avons la chaleur, s'il vous plaît? Chantal, nommez une chose que nous donne le soleil. Le bronzage. Oui! Est-ce que nous avons le bronzage? Très bien. On a demandé à 300 personnes, nommez une chose que nous donne le soleil. La vitamine C. Oui! C'est bon, Alain. Est-ce que nous avons vitamine C? Aucune erreur. 3 réponses à trouver, Pascal. Que dites-vous? Des coups de soleil, des brûlures. Des brûlures. Des brûlures. Est-ce que nous avons brûlure? Une seule erreur. 3 réponses à trouver, Jean-Pierre. Nommez une chose que nous donne le soleil. Des sueurs. De la sueur. Transpiration. Il n'y a pas juste ça. Il y a l'émission là, qui vous donne ça aussi. Hein? De la sueur, s'il vous plaît. Les parenteaux, pensez-y de votre côté.
Madame José. José, ça repose sur vous. Nommez une chose que nous donne le soleil. La lumière. Oh, oui! Oh, oui! De la lumière! C'est bon, José! Est-ce que pour José, nous avons de la lumière? Oui! Oui! Chantal, il y a presque pas de pression. Deux erreurs, deux réponses à trouver. Nommez une chose que nous donne le soleil. Je me dis des fleurs. Des fleurs? Oui! C'est beau! C'est beau comme réponse. Je vous le souhaite. Est-ce que nous avons des fleurs? Oui! Jacinthe et à toute la famille Parenteau, nommez une chose que nous donne le soleil. Une belle récolte. Une belle récolte, Jean-François, vous la dites. De la bonne humeur. De la bonne humeur, Guylaine. Le cancer. Le cancer, Michel. La bonne humeur. Alors, dites ça à France, dites-lui à France. La bonne humeur. La bonne humeur. La bonne humeur. La bonne humeur. France, vous avez la possibilité d'aller chercher 93 points. Je vous rappelle la question. Nommez une chose que nous donne le soleil. La bonne humeur. Le cancer de la peau. Le cancer de la peau. Est-ce que nous avons... Le cancer de la peau. Peut-on voir ce que nous avions en 5, s'il vous plaît? Et en 6? Bonne humeur! Bonne humeur, et je veux vous retrouver tout de suite après la pause. La bonne humeur! À tout de suite! Pour jouer à la guerre des clans, formez votre famille de 5 personnes âgées de 18 ans et plus et ayant un lien de parenté et envoyez-nous le tout sur une carte postale pour vous inscrire à une audition casier postal 596, Montréal-Québec, HDW2P2. Je vous attends. Pour le moment, la famille Lapointe a 185 points. Et la famille Parenteau, notre famille championne, va revenir de l'arrière sans doute avec 61 points et plus. On y va tout de suite avec un jeu double. Chantal, Jean-François, bonne chance. Jeu à pointage double. Jean-François, c'est très important pour vous maintenant. 4 réponses disponibles au tableau. On a demandé à 300 personnes, nommez une chose de laquelle on dit « je n'en ai jamais assez ». Jean-François. De l'argent. De l'argent. Est-ce que nous avons de l'argent? Jacinthe. Nous avons demandé à 300 personnes, nommez une chose de laquelle on dit « je n'en ai jamais assez ». J'ai jamais assez de sommeil. Ouais! Est-ce que du sommeil est au sondage? France, nommez une chose de laquelle on dit « je n'en ai jamais assez ». De loisirs. De loisirs, c'est bon ça. Est-ce que nous avons de loisirs? Pensez-y de votre côté, la famille Lapointe. Michel, très important pour vous maintenant. Nommez une chose de laquelle on dit « je n'en ai jamais assez ». Des vacances. Ouais! Des vacances. Des vacances. Est-ce que nous avons des vacances? Ouais! Alain, nommez une chose de laquelle on dit « je n'en ai jamais assez ». L'amour. De l'amour, la Chantal. De la tendresse. De la tendresse, José. De la tendresse. La tendresse, Dites-le à Pascal. L'amour, la tendresse, Pascal. L'amour. Alors, vous y allez avec la famille, Pascal? De l'amour. De l'amour. Est-ce que pour la famille Lapointe, nous avons de l'amour? Oui, oui, oui. Qu'avions-nous en 3, s'il vous plaît? Oui! De la nourriture. Et qu'avions-nous en 4? Du sexe! Merci beaucoup. Merci beaucoup, France, Michel, nos champions. Vous partez quand même avec 2567 $. On peut les applaudir, nos champions, hein, n'est-ce pas? Qui va jouer au gros lot? Venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Qui commence? Bien. Alors, on vous retrouve tout de suite après la pause. Je suis présentement avec Pascal et Chantal de la famille Lapointe. Ils ont réussi à détrôner les Parenteaux, ce qui n'était pas facile. Ils étaient là depuis 3 émissions déjà. On va jouer au jeu du gros lot. Qui commence? C'est moi. C'est toi. Chantal, on te laisse aller dans la cabine insonorisée.
De façon à ce qu'elle n'entende pas les réponses de Pascal. Pascal, j'ai 5 belles questions pour toi. Parfait. On te donne 15 secondes pour répondre. D'accord. Si jamais tu as une hésitation, tu me dis « passe » et on y reviendra si on a le temps. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir le 15 secondes, s'il vous plaît? Merci. Le temps commence à s'écouler, Pascal, uniquement lorsque j'ai terminé de lire la première question. T'es prête? Oui. Bonne chance. Merci. T'es capable. Nommez un outil de menuisier. Une scie. Nommez un aliment que vous conservez au congélateur. La crème glacée. Nommez une couleur de bas féminin très populaire. Beige. Nommez une princesse. Diana. Nommez une activité où les gens trichent. Aux cartes. Merci beaucoup. Elle disait pas parce que je triche. Je vous ai demandé nommer un outil de menuisier. Vous m'avez dit une scie. Qu'est-ce que le sondage donne? Ouais! Bon départ. Très bon départ. Je vous ai demandé de nommer un aliment que vous conservez au congélateur. Vous m'avez dit la crème glacée. Qu'est-ce que le sondage donne? Ouais! Ça va très bien. Je vous ai demandé, nommez une couleur de bas féminin très populaire. Vous m'avez dit... beige. Qu'est-ce que le sondage donne? 83. On a besoin de 200 points pour gagner le gros lot, 2000 $. Je vous ai demandé, nommez une princesse. Vous m'avez dit... qu'est-ce que le sondage donne? Ouais! 47. Et je vous ai demandé nommer une activité où les gens trichent. Vous m'avez dit. Les cartes. Qu'est-ce que le sondage donne? La famille Lapointe vient de gagner 2000 $, mesdames et messieurs, 2000 $. Est-ce qu'on peut... on a été chercher Chantal? 2000 $! Écoutez, je vous laisse aller à la pause et on vous retrouve tout de suite après avec tout ce beau monde. À tout de suite. Et c'est quand même incroyable. Et je suis avec Pascal, qui est chef de clan de la famille Lapointe. Pascal, ça, c'est votre fan club, ça, là, hein? Êtes-vous content que la famille Lapointe ait gagné? J'ai eu la promesse qu'il m'invitait à manger au restaurant, hein? Oui, ou non? Pas de problème, pas de problème. Pascal, c'est votre première participation à l'émission. On va vous revoir à la prochaine. Oui. Oui. 2000 $. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est vous, chef de clan, là. Décidez donc. On va le partager. Je vais commencer par le partager. Oui. Puis après, on va payer des petites dettes. Là. Puis là, de toute façon, vous allez risquer de revenir, là, avec un autre gros lot. Ah, oui! On aime ça? Hey, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que la guerre des clans, ça revient du lundi au vendredi à 18 h. Hein, la guerre des clans, vous devez être là. C'est des familles extraordinaires qui participent à l'émission. Et là, je vais vous demander un moment de recueillement parce que je vais chanter une petite chanson à Pascal. Ah oui, on a du temps. On me dit, vas-y, Luc, t'as du temps. Je vais chanter. Attention, silence, s'il vous plaît. C'est une chanson romantique. Oui. Jean-Pierre? Vous tassez, Jean-Pierre, c'est l'époux de Pascal. C'est un peu embarrassant que vous soyez là. OK, vous êtes déjà fait chanter la pomme? Pas souvent. Pas souvent? OK. Par un Italien? Jamais. Bon, regardez bien ça, ça va comme ça. Que bella cosa. Ah, Jean-Pierre? Na giornata e sole. Apprenez. Allez. Elle me dit, on va t'inviter chez nous. Ben oui, certainement, je vais aller occuper vos samedis soirs. Alors, je tiens, juste en terminant, je tiens à vous rappeler quelles étaient les réponses les plus populaires. Et c'est parce qu'elle les a tout ramassées. Au début, c'était nommer un outil de menuisier. Vous m'avez dit une scie. Eh bien, c'est marteau qui était la réponse la plus populaire, 49%. Je vous ai demandé de nommer un aliment que vous conservez au congélateur. Et c'est viande qui était le plus populaire, mais avec crème glacée, ça a été très bon. Viande, c'était 49%. Et je vous ai demandé de nommer une couleur de bas féminin très populaire. Vous m'avez dit beige. Et finalement, c'est noir avec 37%, ce qui est très bon.
Et puis, finalement, nommer une princesse, on n'en connaît pas des tonnes, hein, des princesses, Lindida. Si vous aviez la plus populaire, 64 %. Et finalement, ce qui vous a vraiment aidé, les Lapointe, là, c'est incroyable. Nommer une activité où les gens trichent aux cartes. 96 %. Et vous savez, à la pause, on me dit... Oui. Un instant. À la pause, on me dit... J'ai demandé, je disais, est-ce que vous chantez les Lapointe? Parce que là, on a du temps pour chanter. On m'a dit non, on joue aux cartes, par exemple. Et puis, laissez-moi vous dire, on m'a dit tout de suite après, Pascal, elle joue et puis elle triche! Est-ce que c'est vrai? C'est Chantal, viens ici, Chantal, viens ici. Comme ça, tu triches aux cartes. Mesdames et messieurs, là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine émission. Prochaine émission, La guerre des clans, à 18h, du lundi au vendredi. Bye-bye. À bientôt. Ce soir, Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson se transforment en père adoptif dans le film « Trois hommes et un bébé ». Une comédie à voir dès 20h. Dans un instant, Sonia Benezra en direct.